Allez-y, José. Bonjour, mon nom est José Di Stasio. Je suis sur les ondes de CIBL à l'émission Les Plaisirs Gourmands. Merci beaucoup, José. Petite mention, on va la garder précieusement et la faire jouer régulièrement. Alex, la parole est à toi. Bon, on t'avait donné un petit mandat, nous surprendre et surprendre José Di Stasio avec la thématique repas en bol. Oui, bon, c'était c'était toute une thématique et tout un challenge parce qu'on avait un invité de marque. Donc la barre était très haute. Merci beaucoup, Sophie, parce que c'est Sophie qui m'a guidé un petit peu. Je cherchais des façons un peu de représenter quelque chose qui se servait dans un bol, mais qui est pas une soupe. Parce que je dois dire, je parlais avec, juste pour vous expliquer, le bol, c'est que je trouve que tout ce que je mange dans un bol est réconfortant. Alors, ça va de la pâte au porridge, en passant par la soupe, absolument, bien sûr. Absolument. Ben c'était un petit peu ça l'idée, mais je voulais pas vous présenter la soupe traditionnelle, puis ça tombe bien, il fait comme moins 200 dehors là, depuis comme un mois, on a froid. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que je vais présenter? Et Sophie, elle m'a parlé d'un petit resto qui s'appelle La Caïma. Donc, je me suis rendu sur place. C'est sur la rue Fairmont. J'espère que je vais faire justice au resto parce que, à vrai dire, on prononce La Caïma en arabe. Ce que ça veut dire, La Caïma, c'est la tente. Et le resto, quand vous rentrez, il fait vraiment justice à la tente, dans le fond, au c'est point... C'est la tente berbère, hein? Oui, exactement. Vous avez des tissus au plafond, un peu comme des piquets, qui sont les tissus du propriétaire à Tigue. Donc, vous rentrez vraiment comme dans une espèce de tente, qui est un resto. Vous avez des bancs avec des coussins et des grandes tables où vous pouvez vous asseoir en groupe. Donc, vous êtes vraiment imprégné de cette culture-là nomade. Le propriétaire à Tigue, qui vient de la Mauritanie, a essayé de représenter ça dans son concept. Donc, c'est vraiment super. Quand vous rentrez, vous vous sentez vraiment, comme je disais, un peu à la pause du désert. Puis c'est vraiment ça qu'il voulait faire. Il voulait comme représenter un petit peu là où le nomade arrête pour casser la croûte puis partager un repas. Ça, c'est vraiment intéressant parce que ça s'inscrit dans leur menu. Le menu est vraiment inspiré d'un repas traditionnel que l'on retrouve dans une Raima. Donc, ce qui est le fun, c'est que c'est une table d'hôte qui change à tous les jours. Donc, à chaque fois que vous allez faire une genre de découverte. On vous sert toujours en entrée des médias, donc des poivrons rouges, du hummus, mais ça change à chaque fois. On vous sert toujours une petite soupe. Généralement, ce qu'on essaie de vous servir, c'est une berbélie. C'est une soupe du désert faite avec des lentilles et des légumes. Et ensuite, c'est la tagine. La tagine, on le sait, c'est le plat qui a été mijoté à l'étouffée en bol. Voilà. Donc, on a des tagines de légumes, on a des tagines de poulet, on a des tagines de veau. Et ça, c'est avec des épices typiques du Moyen-Orient. Donc, c'est très parfumé. C'est un super... Ah, ça a un nez incroyable. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'ils cuisinent à chaque fois de façon différente. Donc, par exemple, si vous alliez une fois, vous avez mangé une tagine au poulet avec confit de citron puis olive, bien, peut-être cette fois-ci, elle a été assaisonnée avec du paprika. Mais la prochaine fois que vous y retournez, bien, peut-être que c'est du cumin. Donc, à chaque fois, ça change. Fait que quand on vous accueille, on vous dit, bon, aujourd'hui, on vous présente telle table d'hôte. Puis, vous goûtez à ça. Puis, ce qui est le fun, c'est que c'est servi dans des grands bols à la manière un peu nomade, avec du couscous, où on partage le repas tout le monde ensemble. Puis, selon la tradition en Afrique, si vous partagez le repas avec quelqu'un, vous devenez son frère. Donc, c'est vraiment un concept vraiment super. D'autant plus que, ce matin, je vous ai apporté une petite surprise. Le propriétaire, Atig, fait une boisson lui-même. Mais je la connais, sa boisson. Ben oui, parce qu'elle est distribuée dans des magasins d'aliments naturels puis des épiceries du quartier. Mais elle est super bonne. Absolument, c'est très rafraîchissant. C'est une boisson à l'hibiscus. Exactement. Et qui est très peu sucrée. Oui. Et bio. Et qui est bio aussi. Absolument. Et puis, non, c'est une super boisson, absolument. Mais je suis contente qu'il commence à... Oui, oui, non, ça fait une couple d'années. Puis là, justement, il est là-bas, dans son pays natal, mm-hmm. parce qu'il fait la récolte de la fleur qu'il va, après ça, acheminer ici. Infuser. Et faire son... Exactement. C'est fantastique. Donc, puis, comme je vous disais, c'est vraiment rafraîchissant. Puis j'ai un petit scoop pour vous. Je pense qu'il se prépare à lancer plusieurs lignes de ce produit-là. Absolument. Donc, vous pouvez voir bientôt arriver sur le marché, je pense, quelques recettes
tout un peu basé. À base d'hibiscus. Absolument, absolument. Ah. Donc, puis vous y avez goûté ce matin. Oui, c'est délicieux. Vraiment, c'est super bon. Et en hein? plus, je veux dire, c'est d'avoir des produits avec la couleur par les temps qui courent, on est ravis. Là, tu sais, ça nous fait une petite dose de couleur. Merci beaucoup. Et est-ce que vous aimez la tagine? J'aime le tagine beaucoup. J'aime le tagine. Ben, j'aime le côté convivial de tout ce qui est braisé, de tout ce qui est cuit doucement et de ce qui est un petit peu compoté et tout ça. Et le tagine fait partie de ça. Et je pense que même quelqu'un qui sait pas, moi qui essaye de dire, OK, tout le monde peut cuisiner, il n'y a pas besoin d'avoir de techniques pour au moins faire une cuisine maison. Mais le tagine est un exemple fantastique à partir du moment où on a des bons parfums, quelques bâtons de cannelle, peu importe, le tagine, c'est à l'infini. Mais je veux dire, un parfum, une viande ou un légume, si on est végétarien ou même un poisson, et c'est fantastique, c'est convivial, on le met dans le centre de la table. Merci, c'est fantastique. Alors, tout ça est extrêmement convivial. Mais je suis content que vous ayez apprécié. D'autant plus, si jamais vous voulez, vous ne pouvez pas vous déplacer pour aller manger sur place, vous pouvez commander. Ils font. Moi, je suis allé me chercher un petit repas pour manger chez moi et j'ai vraiment apprécié. Ah, ça, c'est chouette. Donc, 142 rue Fairmont, La Caïma ou La Raima. La Raima. Et est-ce qu'ils ont un site Internet? Oui, je pense que c'est lacaima.net, si je ne me trompe pas. Lacaima.net. Vous irez faire un petit tour. Ben oui, absolument. Bon, alors, José, finalement, est-ce que vous avez été satisfaite de cette émission? Je suis ravie. Le pain dans les voiles, merci d'être venue. C'est fantastique. Invitation merci à aller beaucoup visiter à Julien Roy. À Julien Roy. Allez visiter le quartier aussi. C'est un quartier qui bouge et qui est fort sympathique. Je parle de celui de où vous êtes, vous, Julien. Merci d'être là. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, on vous retrouve aussi à Saint-Hilaire. Saint-Hilaire, avec vue panoramique, en mangeant notre pain. Il faut arrêter après une bonne excursion en montagne. Oh, ouais, non, mais t'as raison. Merci de le rappeler. Merci beaucoup aux deux représentants de la Société Orignal, Alex Cruz et Cyril Gonzalez. Merci. Continuez votre bon travail, là. Et puis, bon... On attend l'épicerie. Surprenez-nous, hein? Surprenez-nous. Ouais. On va vous avoir lorsque l'épicerie va s'en venir. C'est sûr et certain. On a bien hâte, évidemment. D'ici là, surveillez le développement de leur gamme. Ils n'arrêtent pas d'innover, ils n'arrêtent pas de lancer de nouveaux produits. On adore ça. Merci. Site aussi où on peut aller voir un site, oui, absolument. Un site. Ah oui, c'est ça. Oui, quel est-il? Attention, on a investi dans Vite, on a peu de temps. Sociétérignal.com. Tout simplement. Merci beaucoup à Dominique Scott d'avoir été parmi nous ce matin. Bon projet. Moi, je m'en souhaite un autre avec elle. Voilà. En attendant, on va pouvoir aller voir ses films. Entre ça, on peut aller voir ses films. On vous retrouve, José, évidemment, toujours à la télévision. Il va y avoir les reprises parce que j'ai fait les quartiers cette année. Voilà. Puis on va reprendre bientôt la diffusion des quartiers qu'on a fait. Et d'autres livres à venir, évidemment. Bien sûr. On n'arrête jamais ça. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été parmi Merci, nous. Sophie. Merci beaucoup à Maxime Fauré-Fafard au niveau de la technique. Merci à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent, qui nous encouragent. Dans quelques instants, vous retrouvez, évidemment, de la musique franco.